Bonjour, bonsoir, bonne nuit, et bienvenue sur cette indirect de Against Great Darkness. Prologue, parce qu'on est sur la version démo. Et oui, parce que c'est la version démo d'un jeu qui, pour l'instant, n'a pas encore de date de sortie, si ce n'est qu'il va sortir cette année, apparemment, 2024, et qui est un jeu de, et ça on a rarement vu sur cette chaîne, c'est un shmup. Un shmup. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi un shmup? Un shmup shoot, c'est une abréviation dans le monde du jeu vidéo de shoot them up, qui est un jeu où, en gros, c'est, vous savez, c'est ce type de jeu où on a un petit vaisseau en bas de l'écran, on a 50 000 ennemis qui nous arrivent dessus et faut leur tirer dessus. Voilà, c'est ça les shmup, shoot them up. Shoot them up qui veut dire tirer-leur de... Tuez-les tous, quoi. Donc Against Great Darkness, alors pourquoi je teste un shmup alors que j'ai pas l'habitude d'en faire? Mais c'est parce que graphiquement il m'a plutôt plu, je l'ai trouvé vachement intéressant et je me suis dit pourquoi pas le faire, un Space Invader. Voilà, t'imagines un Space Invader mais tu multiplies la vitesse par 100 et le nombre d'ennemis et le nombre de boulettes à l'écran par 100 aussi. Mais en gros, Space Invader est un des premiers shmup, oui, tout à fait. Allez, donc Against Great Darkness, on va tester ça tout de suite. Puis il a l'air vachement sympa. Graphiquement, moi je l'aime bien. C'est mon genre. Côté un peu cringe, emo, gothique, voilà. Allez, play, c'est parti. Oh mon dieu. Ok, il se passe des choses. c'est quoi, c'est les personnages là, c'est ça? D'accord, j'ai des personnages. Donc Artemis, Tish ou Zeus, on va tester Artemis tout de suite. La maîtresse des animaux, elle est la personnification de la chasse, autant que la protection de la nature. Elle possède deux disques, trois points de touche, donc j'imagine que c'est sa vie. Deux cleanses, c'est quoi ça? Ah, c'est les bombes, j'imagine, qu'on trouve généralement dans les shmups, un truc où pff, d'un coup on pète tout à l'écran. Ah pardon, excusez-moi du coup. Ah, quand on fait Alt-Tab, ça enlève la musique. Excuse-moi YouTube, laisse-moi une seconde. J'ai pas changé le jeu. J'ai pas averti que j'ai changé de jeu. Donc c'est... Le jeu s'appelle... Il s'appelle comment? Against... Merde, j'ai oublié le nom. Against Great Darkness. Against Great Darkness. Paf, pouf, c'est save, allez, c'est bon, continue. Attack Speed, dommage, boost, disque, dommage. D'accord, elle va envoyer des disques. Bah, c'est ces deux disques-là, j'imagine. Elle a 15 de dodge. Alors, je sais pas ce que ça... Bah, le dodge, généralement, il n'a pas dans les shmups. Ça dépend de ton skill. C'est quoi, ça veut dire que c'est le... On peut réduire sa zone de touche. Fire bonus, critical chance, luck. Alors, je sais pas pourquoi il y aurait de la chance, mais de luck. Bonus d'explosion. Alors, elle a trois machins. L'épée de la colère. Putain, l'épée qui... D'accord, qui avant avait terrassé le grand dragon. En deux temps trois mouvements. Bref, on s'en fout. L'arc infaillible. Et le pilier du sel. Comment ça? Salut Frozen. Et niveau... Ah, on peut changer le niveau. Alors, niveau 0, vous voyez pas. Niveau 0 ou niveau 1? Niveau 0. Augmente votre difficulté. Augmente votre difficulté avec le modificateur de run. À chaque niveau qui augmente, Radiant Shard gagne 5%. Radiant Shards. Je sais pas ce que c'est que le Radiant Shards. Littéralement... l'éclat de radio. Bon, bref, on s'en fout. Niveau 1, Unfavorable Events. On a... D'accord, et maintenant il y a en plus des events défavorables qui arrivent. On va tester en niveau 0, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Alors, comment qu'il joue ce jeu? Qu'est-ce que c'est le... Wow. Oh, les mortels t'ont invoqué ici-bas. Tu es à moi, païen. Comment ça? Ok. N'aie pas peur. Oh mon dieu, ça fait peur. Je suis ici pour t'aider dans ton ascension. Chaque entité angélique est équipée d'un disque. Ok. Oh, waouh. D'accord, j'ai bien me mettre ici.
Seul truc que vous voyez pas en dessous moi, c'est qu'il y a marqué Lust. Voilà, c'est tout. Regardez. Voilà, Lust. C'est le seul truc que je bloque. Ok, ils sont équipés d'un disque. Lancez-le devant vous. Et il va aller de ci, de là. Without losing it to the mo. Ok. The mo. Ah, le bris de mo, vous en souvenez dans Isaac. Si tu le perds, ne t'en fais pas. Hein, ok. AD, arrow key to move. Il tire tout seul ? Ah non, d'accord ! Ah oui, d'accord, quand il parle de juggle, c'est vraiment littéralement parlant, quoi. Juggle, ça veut dire jongler. Ah oui, donc jongler avec les disques, ok. And keeping a certain number of discs active is important. D'accord, ok, donc jongler avec et les garder bien à l'écran est important. Beaucoup de reliques requièrent ces actions pour déclencher leur pouvoir. Mais il y a une autre qualité inhabituelle. Essaye de slam, foncer, dans un des deux disques aussi fort que tu peux pour le transformer en balle rapide. Ils font plus de dommages à tes ennemis. Ces disques chargés vont recharger tes cleanse. D'accord, mais comment je fais AD... Oh ouais, ah oui, non mais d'accord. Je peux recommencer. Comment je fais un slam? Comment je fais un slam? Je peux pas bouger en haut ou en bas. Bon, visiblement, j'ai fait un slam. Je sais pas ce que j'ai fait. Bien. Tu as remarqué que les balles rapides irradient d'énergie. Maintenant, il est temps d'apprendre le cleanse. Prends ce bouclier. Lorsque tu l'actives, il va effacer les projectiles ennemis à l'écran. Ah, d'accord, ok. Oui, donc c'est bien ça. D'accord. Donc c'est le gros boom qui va pas tuer les ennemis, mais qui va plutôt enlever les boulettes. Il va aussi te permettre de sauver, enfin voilà, de protéger tes disques des abysses en dessous. Son pouvoir resplendira après chaque fois. Ah, bref, merde, allez. Cependant, pour cet entraînement, je vais sacrifier quelques-unes de mes pouvoirs pour te... Hein, pouvoir rien, les clans, je attaque, d'accord, ok, vas-y, essaye. Ok. J'ai appuyé au même moment, mais... Oh, lol. Excellent. Tu es digne de rédemption. Pour t'échapper de ces abysses de l'enfer, tu vas devoir tuer ces... Bon, les mignons, quoi. Ces sous-fifres. Beaucoup seront invoqués pour bloquer ta progression. Tu vas devoir les purger pour pouvoir progresser. Ça tire tout seul. D'accord, faut que j'esquive les boulettes. Ah merde! Ah merde! Ok, visiblement, le truc des purges, là, qui permettent d'enlever les boulettes à l'écran, s'active aussi avec le clic gauche de la souris. Donc du coup, là, j'ai plus rien. Ah, j'ai réussi à faire un whoosh. Est-ce que je gagne de la lumière ou un event? Event? Ok, un chien nommé Baron. Le chien aboie. Est-ce que tu es un viking? J'ai toujours voulu rencontrer un viking. Tiens, prends ça. Ok, lol. Est-ce que je lui patte le dog? Est-ce que je lui fais une petite gratte-gratte sur la tête? Est-ce que je prends l'os? L'os d'Ymir? Ou est-ce que je m'en vais? Ah d'accord, il me donne en os en fait. L'os d'Ymir. Un os aussi dur que la pierre. Un disque pop
quand un disque pop, il a 35% de chance de gagner 100% de dodge pendant 2 secondes. Ouais. Non, vas-y, je vais lui faire un pat-pat. Le dog remue la queue et aboie. Ah, je savais que t'étais un viking. Tiens, prends ça. Ah d'accord. Non, mais en fait, ça fait rien. C'est juste qu'il est content. Ok, j'ai eu l'os. Bah super. Ah non mais attends, mais quand je bouge, ça bouge aussi l'affichage des reliques. C'est nul. Ah non, ça bouge plus maintenant. Merde, j'ai plus de disque. Ouf. Allez, je l'ai piégé. D'accord, donc en fait, c'est pas vraiment... Hein, on est entre le shmup et Arkanoid, en fait. gain la lumière ou aller au marchand. Hein. Gain light. Alors, qu'est-ce que c'est gain light? Modes of light. Tu as trouvé une petite cache de lumière, un petit bout de lumière. Prenez 25 de ces éclats de lumière. Merde, mais putain, j'ai encore actionné le machin, je voulais pas. D'accord, donc c'est un arcanoïde chelou avec une notion shmup. C'est bizarre. Merde, putain, merde, putain. Jusqu'à là, je pense que c'est simple. Mais je vois le potentiel où ça peut devenir vraiment un truc très compliqué très vite. Non. Ah, d'accord. Est-ce que je vais à l'hôtel ou est-ce que je vais à la lumière? Ah, la gain... En fait, les lights... Ah bah voilà, on voit en haut à droite, là, j'ai de la light. À mon avis, ça doit être la monnaie pour le marchand. L'hôtel. Un hôtel avec une statue de... Avec la statue d'un disque, d'un cœur et d'un bouclier se tient devant toi. Faire une offrande. Est-ce que je lui offre 75 motes, donc les éclats de lumière, et je gagne un HP max? Est-ce que je lui offre 75 motes et je gagne un cleanse? Est-ce que je lui offre 75 motes et je gagne un disque? Bah un disque, c'est mieux. Vas-y, le disque. Allez, hop. On va taper. Oula! Non, laisse-moi tranquille, toi. Ah, 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 ah! Touche pas les gens. Ah. Ok. Bah oui, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Je suis pas un fan du côté disque, mais... Ça fait vraiment arcanoïde, hein, pour le coup. Mais comme il y a 50 000 trucs à s'occuper à l'écran, c'est difficile. Un event. Oh, un démon chanceux. Ok. Tu te tiens devant un démon avec des lunettes. Il jure. Non, ah non, tu jures à l'avoir déjà vu avant. Est-ce que tu oserais-tu essayer de jouer? C'est seulement 20 mots. Vas-y, je joue. Ah, c'est pas synchro. Ah là là, mais ça s'arrête avant, c'est horrible. Ah, le démon sourit. Green grows. D'accord, là, un grand sourire du démon qui commence à bien apparaître. Tu auras plus de chance la prochaine fois. Il disparaît dans un nuage de fumée. Ok. Oh merde, putain. Ça réflexe à la con.
C'est con qu'on... Là, je joue avec A et D. Avec Q et D, pardon. C'est vrai que c'est con, mais j'aurais bien aimé jouer avec la souris, moi. Je trouve ça beaucoup plus sympa de jouer avec la souris. Y a pas une façon de le faire? De lui dire, je veux jouer avec la souris? Non? Non, d'accord. Pas cool. J'aurais bien aimé jouer avec la souris. Event ou... Bah non, j'ai pas beaucoup de thunes. Event. Le cube. Un mystérieux cube se tient devant toi. Son énergie irradie tout autour de toi, enfin tout autour de lui, transformant... turning white, then white. D'accord, en irradie d'ondes blanches et noires. Voilà. Après avoir inspecté un petit fragment... inspection. D'accord, après avoir inspecté, tu vois qu'il y a un petit fragment qui s'en est échappé. Est-ce que je prends le fragment de cube? D'accord. Et j'obtiens the final stone. La dernière pierre. La dernière pièce, dernier fragment. The last piece to the first. De la première prière. Ok, ça spawn. Every present stationary puzzles that guard the edge to oblivion. Ça a l'air d'être un truc de lore. Mais ça va pas influer mon jeu, j'ai l'impression. Ça invoque spawns two ever present stationary puzzles. Ça a l'air d'être un truc de lore. Okay. Ah non, d'accord. Ah d'accord, mais j'avais rien compris à la description. Ok. Donc maintenant j'ai des côtés de flipper. De flipper de PMU. Putain. Boum. Wow. Ils font peur hein. Ok. Un peu d'argent. Allez, et la prochaine fois, on ira voir les marchands. Ah! Galaga. Ah! Comment vas-tu, mon Imu? Ouais, c'est assez chelou, hein. Ah, tu vois, t'as exactement mis le doigt dessus, c'est ce que je disais. C'est un mélange de... C'est un mélange de shmup. C'est un mélange de shmup et d'arcanoïde. Merde, je t'entends regarder. OBS. Allez, on va au marchand. D'accord, il y a aucun... ok. Il n'y a aucune mise en contexte. C'est tiens, voilà le... Échange de l'argent contre des trucs. Ok, le tambour de Shiva, c'est son rythme, the beat of the destroyer, d'accord, le rythme du destructeur, les disques irradient d'énergie infligeant 4 damage weapon, d'accord, a thread of the firmament, le thread c'est le fil du firmament, spool of thread weaving with angelic fibers, passive increase. D'accord, c'est un passif qui me donne 5 de luck. 8 minérales. D'accord, ça augmente de 5% mon attaque speed. Sinon, je peux faire un reroll, je peux me soigner ou je peux me barrer. 165, c'est très cher. Non, bah j'ai rien. Bah heal. Bah 50. Non, vas-y, exit. On va continuer. Oh putain. Ah! Et merde. Et c'est là où je regrette de pas avoir heal. Oh, les ennemis peuvent taper dans mes disques, quoi. La musique est sympa. Ça colle bien. Allez hop, on cleanse.
Let's go. Olé. Un event. Putain, le banquier. Un démon avare. Un gobelin démon avare est assis devant et compte ses pièces. Et est-ce que tu veux investir ? Si j'investis, je perds tout mon argent. Bah, je suis juste à la fin. Autant dire oui, c'est le moment d'investir. Ok. Piggy bank. Oh, j'ai eu un petit cochon en tirelire. Tiens, en cochon. Ok, ça double le nombre de modes et de modes of light que je... Hein? Double earned modes of light until you lose... D'accord, ok, ça double tous les modes of light que je ramasse jusqu'à ce que j'en dépense ou que je les perde. Ok. Bon, du coup, ça me sert à rien parce que je suis en fin de run, mais ok. Ça, c'est pas très compliqué en vrai, hein, parce que les gros shmups bien dégueulasses, bien difficiles, ça on en connaît, mais en fait, c'est que ce jeu il est pas difficile, mais le seul truc c'est qu'on a tellement envie de grider des fois en suivant absolument nos boules, et en se disant oh vas-y c'est bon j'arriverai à esquiver l'autre boulette qui m'arrive en pleine gueule, que bah on se prend des dégâts comme des cons. Donc au final le jeu il est pas dur, c'est juste qu'on essaye de vaincre sa propre gridance. Ok, je l'ai passé de l'autre côté. Lui aussi, c'est bon. Ah, genre là, par exemple, vous voyez. J'aurais pu aller à droite et me dire, bah c'est pas grave, je perds mes deux disques et puis ils vont respawn. Bah, même, on n'a pas envie. Ok. Je vais aller au store et je vais me heal. Et donc, du coup, je vais perdre mon piggy bank. Voilà. Eh bon, on voit qu'il est cassé. Broken piggy bank. Bah voilà, il est brisé. Par contre, j'ai regagné toute ma vie. Et on est bien pour le boss, j'imagine, parce qu'on est arrivé là-haut. Eh bah voilà. Delilah. Delal. Oh my, oh my, oh my. Ok, ok. Donc là, tout à coup, le jeu devient dur. Et là, ils vont foncer. Voilà, pouf. Non ! Je connais pas tes patterns, gros. Voilà. Après, ils vont foncer. Et après, il y a un cœur qui apparaît. Bon, ok. Si ça reste comme ça, ça va. Je peux peut-être le faire. Il reste plus qu'à juste pas jouer au con. Et si je cleanse son cœur, qu'est-ce que ça fait ? Genre ça. Paf. Non, ça lui fait pas des dégâts en plus. Ça, j'aurais bien aimé, ça aurait été drôle. Ok. Ah ouais, d'accord, maintenant ils font des boulettes. C'est pas marrant. C'est pas marrant. C'est pas marrant. Ok, faut bien se mettre au centre, c'est ça? Ah oui, non, il faut que je leur tape dessus. Ah oui, d'accord. Oh putain, j'étais concentré ailleurs. Oh, wow, wow. C'est vrai. Allez! Mais t'es mort! Meurs à la fin! Oh non! Oh mais sérieux! Regardez le 1 de PEF, quoi! Fuck! Ah, je me sens nul! Au moins maintenant, on connaît le jeu! Ah! Mais c'est pour ajouter un peu de piment, parce que maintenant, on va refaire la même chose, mais en niveau 1. Vu qu'on connaît le jeu. Oh là. Bah oui, il était mort. Mais bien sûr qu'il était mort. Upgrade. Donc ça va être les upgrades permanentes. Et bah c'est bien ça. C'est les upgrades permanentes. Il est marqué 1020 là.
Ah oui, d'accord, ok. Je vais sélectionner pour savoir combien il coûte. Et j'ai que 165. Je peux visiblement rien acheter. C'est 300 le minimum. Ok. Eh ben, fort bien. Donc du coup, on va refaire un play. Est-ce qu'on essaie un autre perso? Donc lui, il commence avec 3 disques. Lui, il commence à être un disque. Mais c'est le perso facile, lui. 2-3-2. 3-3-3. 1-3-2. Un disque. Un disque. Et il fait moins de dégâts. Et lui, il fait plus de dégâts. Moins de chances de crit. Dodge 1. Ah merde, quand on clique deux fois sur le même, ça commence le truc. Eh ben, commençons avec... Ah non, il va pas me retaper tout le dialogue, là. Ah non, ça va. Ah merde, putain, quel con. C'est vrai que quand on appuie sur la touche, ça fait ça. Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi ce truc en bas? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas ses pouvoirs. Est-ce que je peux voir ses... Non, je voulais faire échappe. Je veux faire un pause. Je veux lire les reliques. Ah, lui, il a la gemstone. The philosopher's stone. Everything to go. Four jungle with two barrage of enemies. D'accord, ok. À chaque fois que je fais 4 jongles, il lâche 2 barrages de projectiles homing qui infligent 4 dommages par hit. Le chakra de Surya. Ça va être bien. D'accord, quand je fais une jongle, j'ai 30% de chance de dropper un chakra. Ah, les chakras, les disques... Non. Ah non, c'est un drop d'une boule, en fait. Quand je le collecte, ça crée une explosion qui... Sur un ennemi random, qui lui inflige 15 points de dommages explosifs. Et le shield... À chaque fois que je jongle, ça a 40% de chance de faire spawn un shield. Ah, mais c'est vraiment le perso pété, lui. C'est le perso du... C'est le perso de la découverte. Allez, hop, là. Ah, il est vraiment pété. Hein. Eh ben, allô? Pourquoi j'ai plus de souris? Ah, ça y est. Ma souris avait disparu. Event. Ah! Allez, vas-y. Allez, je retente. Pourquoi le boss avait des giggle boobies? Ah bon? J'avais pas vu. J'étais trop concentré sur les boulettes. Oh putain, j'ai réussi. Ah putain! Oh, j'étais à côté. Ah là là, j'ai raté. Je voulais le disque. Donc il faut absolument les 3 pour débloquer ce machin. Ah ouais, c'est quand même sévère. Non, dégage la souris là. Ah, il me la remet toujours au milieu de l'écran, c'est insupportable. Putain, il faut enlever sa main de la souris quoi. Regarde, j'ai raté le machin. Boom. Motherfucker. Allez hop là. Boom. Un event. Ok. Ah, c'est Baron. Tiens, pat. Écoute, prends le boss. Prends le os. Ah, lâchez-moi. Dégagez les têtes de mort, là. Insupportable. Ah, j'ai pas eu ça tout à l'heure. Ah. Boum. Ah, c'est méga chiant.
Ok, ok. Chez. Let's go. Mais du coup, les explosions, ça va être trop bien contre le boss. Est-ce que je peux faire disparaître les crânes? Est-ce que ça compte comme des boulettes? Non, ça compte pas comme des boulettes. Fuck. Du coup, je peux pas les faire disparaître avec un cleanse. La musique, elle passe bien, hein. J'ai vu que ça pouvait être assez cher les bonnes améliorations. Ah non, quel con, j'ai foncé dedans. Par contre, là où c'est un peu sévère, c'est que toute la vie qu'on a, c'est pour toute la run, quoi. Après, on peut en acheter. On peut acheter des soins, mais y a pas de régène ni rien, quoi. De base. Boum. Ok. Ok, boum. Allez! Oh putain, il était en mode rapide. Ah, c'est ça qu'il voulait dire, qu'on fonçait dessus. Ou que je fasse une vitesse, comme ça, bam! Et là, ça devient un truc rapide. D'accord, ok. Je commence à comprendre le système. Merde! Je joue mal, eux. Oh bah tiens, il me propose de heal. Il a compris. Le jeu a compris. Et ma souris a encore disparu. Allô? Putain de souris. En fait, c'est pas qu'elle disparaît de mon écran, c'est que... Il la met au centre et il la met derrière le soft. Du coup, elle disparaît carrément, quoi. Je heal. Full heal. Full heal gratos. Boom. Ok. Ok. Ah putain. La souris, elle me perturbe trop, c'est chiant. J'ai beau l'enlever, elle revient toujours au centre de l'écran. Hein. Merde, j'ai raté. Mauvais. Ah, il va falloir corriger ça, les devs, là. Souris qui pète les couilles, là. Yes. Ah. Dommage. Ah. Oh, oh la touche, il s'est posé dessus. Il a caressé avec une telle force. Boum. Et le grid. Ah, ah, j'ai tout perdu. Dégage la souris. 137. Allez, vas-y, le stop. Ah non, j'ai encore un peu de temps. Un peu de life. 70 balles. Bah voilà. Là, on parle. Merde, j'aurais dû le continuer. Merde. Ah. Ok. Bam. Non. Bam. Oui. Bam. Allez. Non mais j'ai raté. J'étais trop dedans. Hop, j'avais vu que j'avais la barre. Non! Oh non, pas eux. Vous savez qui me font penser, ces mobs, là? Ça me fait penser à The End is Nigh. Dans l'approche. Ah. Oh, ça, c'est le genre de jeu où je vais enlever les yeux de l'écran. Je vais avoir l'impression que tout bouge chez moi. Ok. Oh bah, le shrine. Bah, le shrine.
Alors, plus un max HP, plus un cleanse ou plus un disque? Ah putain, ouais, le nombre de disques, ça va être débile après. Ou rien. Si, le nombre de disques. Allez, comme ça, il va faire spawner non-stop des disques. Vu que j'en loupe souvent. Tac, on peut avoir jusqu'à 5 disques, ça veut dire, à l'écran maintenant. Ah! Ah! Boum. Ah, dommage. Non, la light. Mais non, parce que j'avais pas assez sinon après. Et j'ai envie au dernier moment, juste avant le boss quand même, de m'offrir un petit truc. Tiens, bim. Shit. Pouf. Non. Boum. Ah! Il est pas si simple que ça le jeu, hein. Je pense que tout à l'heure, à la première run, j'ai eu un petit coup de bol quand même. Et pourtant, j'ai pas augmenté la difficulté, hein. On est toujours en niveau 0, donc il n'y a pas les, apparemment les events random malus. Merde, je commençais. Boum. Ah, il y a quand même une petite zone, hein, j'avais pas vu. Ah non, juste avant le boss, il me donne ça. Bah, un max HP, alors. Ah non, il reste encore une zone. Oula. D'accord, c'est la zone des grosses boulettes. La musique, elle est bien, mais elle est un peu répétitive. Force de recommencer systématiquement chaque tableau. Heureusement, elle est un petit peu discrète. Ah, allez. Boum. C'est ça, en fait, hein. Quand j'ai une explosion... Elle fait une AOE, en fait, hein. C'est pas juste un ennemi qui explose. S'il y en a qui sont au contact, ou proches, ils se prennent aussi des dégâts. Ok. Yes. Boom. Event. Allez. Ouh, la roue de l'altération. Tu te tiens devant un démon. Just as a ring leader. Oh, ok. Il est temps de tourner la roue. Es-tu prêt? Tu es prêt, n'est-ce pas? Je suis sûr que tu l'es. J'ai pas le choix. Oh, putain. Ah, évidemment. Évidemment. Ok. Le démon te regarde d'un air menaçant et il te fout un coup de schlasse. Et il disparaît. C'est vraiment un coup de schlasse en plus. Enculé, va. Putain, mais juste avant le boss en plus. Lol. Oh, c'est pas le même boss. Ok. Ok. C'est pas le même boss. Très bien. Ok, il est un peu plus aléatoire dans ses attaques. Par contre, il se protège pas par d'autres gars, et ça, c'est plutôt pas mal. Ah, c'est passé.
Allez, c'est l'enchaînement, c'est l'enchaînement. Et là, je perds tout. Ah merde. Merde, j'ai raté. Ah. Oh, il y a des gens. Stop. Cesse. Aïe. J'aurais dû utiliser un cleanse. Non, mais non, mais ça fait rien, ça. Oh non, tu vas pas me refaire la même coup que tout à l'heure. La lose à la dernière seconde. La peur de la victoire. Ah putain. Tout droit. La musique qui s'arrête. Pas chiant. Ok, ok, ok. Paf, 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 paf. Hop. Merde. J'essaie de faire un tout droit, mais... Ah, ah, ah. On va lancer les petits mômes, là. C'est mômes, ok. Je fais des petits coups. Merde, j'ai raté. On va lancer ces mômes. Ok. Ah, je l'ai raté. Pas que j'hésite d'utiliser un cleanse. Si besoin. Ok. Voilà. C'était trop dangereux. Tue-le! Ah! Oh! Ah, par contre, c'est décevant. Le boss, il meurt et rien. Il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de gros boom, il n'y a pas de... C'est... Oups. Choisissez votre récompense. Alors, une tresse de cheveux. L'une des 7 tresses de cheveux qui ont été offertes, qui offrent une force incroyable. C'est un passif qui augmente de 3 les dommages de disque, de 8% les crits et de 35% la boost de dommages. Pas mal. Merci, Orage Magique. Tixi, ça fait longtemps. Orage Magique. Oh, tu t'avais pas un autre pseudo avant? Parce que ton nom me dit rien. Mais bienvenue, Orage Magique. C'est pas Nuage Magique. Wheel of Chronos, the timepiece for the God of the Zodiac, reduce the record speed. Fastball. Non. Moins intéressant. La Hachereb. Flamesword, 12% de chance d'obtenir. Deal 2 fire damage. Oh! Infliger 2 de dommages de feu chaque seconde pendant 10 secondes. Hein? C'est intéressant. Mais la tresse, c'est mieux. Oh, si, si, bien vu. Ah! Ha ha ha! Ok, et donc victoire. Et. Merde, j'avais pas vu, il y a un petit message en bas à droite. Est-ce qu'il était en train de me dire, bah, vu que c'est la démo, ça se stoppe? C'est possible que ce soit ça. Ah, dommage! Du coup, on a que le premier niveau! Ah, c'est rageant! C'est-à-dire qu'il me donne un bon objet, et après, il me laisse sur ma faim. Ah, les enfoirés! Il me laisse sur la béquille. Decrease the gravity of disc, ok. Baisse la gravité des disques. Augmente le dommage des disques, augmente les dommages bonus légèrement. Offre un cœur supplémentaire. Putain, ouais. Ah, y a des trucs quand même. Hein. Sinon, l'autre A300, c'est quel? C'est lui. Plus de time. Ah! Oh! Baisse le nombre de temps entre deux lancers de disques. C'est bien ça. Bon, bref. Ok, eh ben écoutez, c'était du coup la découverte de Against Great Darkness Prologue. C'est sympa. C'est un jeu sympa. Après, vu qu'il a aucune sortie de prévue, bah, je sais pas trop. Ça se trouve, il va y avoir 50 000 niveaux. Au niveau du lore,
Bah, on n'a pas vu vraiment de lore, en fait. Le seul truc de lore qu'on a vu au début, c'est qu'on voit un espèce de d'ange, ou en fait, le personnage là qu'on voit juste là, là qui tombe d'un coup. Enfin, je pense que c'est lui qui tombe d'un coup, et puis, en fait, c'est comme un ange déchu. On doit remonter vers les cieux, je sais pas quoi. Avec cette espèce d'œil, là, avec des ailes, façon... Comment il s'appelle, ce boss dans Isaac, là? L'un des derniers boss. Mais ouais, jeu plutôt sympathique. À voir, peut-être avec le temps, s'il vaut le coup. En tout cas, pour l'instant, nous n'avons aucune date de prévu. Eh bien, écoutez, j'espère que vous, ça vous a plu. Dogma, voilà, merci, c'était Dogma, tout à fait. En tout cas, YouTube, toi, j'espère que du coup, tu as kiffé cette présentation. Comme d'habitude, c'est le cas, évidemment, n'hésite pas à partager, à mettre un commentaire, à mettre un pouce. Je te fais pas de bouche, je te fais la prochaine. Ciao.